Bonjour à tous les amis, c'est Kokojima et bienvenue pour la suite des épisodes de The Last of Us. Alors vous voyez, j'ai mis le jeu en pause en fait parce que je reprends directement là où je m'étais arrêté. J'avais déjà lancé le jeu pour éviter de se taper les temps de chargement windowsiens de The Last of Us depuis le menu principal. Donc on est parti et on envoie directement la purée et on s'était arrêté pile où on s'était arrêté, c'est-à-dire là où il y avait gavé de claqueurs et on devait passer un passage sans se faire repérer. Donc voilà, si vous vous souvenez, ouais, je vais peut-être baisser le son. Mais si vous vous souvenez, c'était ici donc que je m'étais arrêté. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer, bien entendu. Alors ça aussi, cette fameuse blague, comme je le répéterai jamais assez dans les jeux vidéo, c'est le fait de vous bloquer volontairement l'accès, hein. De vous bloquer volontairement l'accès derrière, genre, ça s'est effondré derrière vous, vous n'avez plus aucun moyen de passer. Grosse blague, quoi. On sait tous que le surin, pardon, va nous permettre soit de... D'accord, y'a rien, je viens de me faire trolley. Que soit le surin va nous permettre de... Ah si, donc là ils sont combien? 1, 2... Et là ils bouffent. Ah non, ils sont bien plus que ça. Allez, reculez les enfants. Oh putain. Le parpaing. Si ça peut me permettre d'en buter au passage. Par contre, il me semble que... Ouais, voilà, mon surin n'est plus... Les plus valables. Alors ça c'est bien je trouve, le principe, comme vous le saviez, le principe de craft. Crafting, mais je sais pas... Si je passe par là, est-ce que ça le fait ou pas? Par cette fenêtre, vite. Des choses à récupérer. Ouais, mais c'est des bouteilles. Putain, c'est quoi ce bruit? Oh putain, mais ils sont combien? Wouah! Oh, de la vie. Bouteille. Wow! Ah non, elle est derrière elle, d'accord. Wow, ah non. Et elle... non, mais genre... Ah putain. Énorme. Oh putain. Oh, je sais pas combien ils sont, mais putain. C'est une claqueur ou pas, ça? Mais genre! Mais LOL! C'est pas une claqueur, ça? C'est pas une claqueur, ça. Mais par où faut que j'aille, là? Putain, je sais pas, moi. Alors, moi qui pensais qu'il y avait une zone avec... que des claqueurs...
Bah pas du tout, pas vraiment. Putain mais il m'énerve à courir comme n'importe qui là. Oh putain. Le problème là c'est que si je passe par-dessus le muret ils vont sûrement m'entendre. Non? Par ici. C'est presque terminé. Allez, merde. Allez-y, faites du bruit, c'est pas grave. Ne plus à ça près maintenant. C'est là qu'il faut passer. Ou est-ce que je tente de lui fracasser la gueule ou non? Non, dégage, Boru, dégage, dégage. Et elle peut les repousser par contre, quoi. Je suis choqué, ça. Allez, butez là. Ah, ils sont bloqués. Et j'ai pas envie, spécialement envie de les tuer, moi. Le parpaing, le parpaing, le parpaing. Bon. En plus de ça, il n'y a même pas des... Non, la boîte de conserve. Ah si, ça fait un kit de survie aussi, la boîte de conserve. Putain, faut le savoir. Ouah. D'accord. Alors je sais pas si vous avez vu, il y a ma lampe qui commençait à s'éteindre. Et ils m'ont dit de secouer la manette sur le côté droite pour... genre comme s'il fallait taper sur son... Sur sa lampe. Alors j'espère... Que la lampe... Oh putain, merde! J'espère que la lampe n'a pas une durée de vie aussi. Nothing. Ça par contre c'est bien quoi. Le fait de d'avoir le fait d'avoir suffisamment de parpaings. Yeah. Non ça c'est une bouteille. Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Je vous avouerai que je suis un petit peu perdu. Bon on va voir. Alors par contre, tous les autres ont... C'est une idée ou tous les autres ont disparu hein? Non, 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 non. Coureur. Putain. Wow, putain. Ah, vous allez voir, en fait, fallait passer là, quoi. On va essayer de passer sans se faire choper. Il est occupé à bouffer donc théoriquement il en a rien à foutre. Wow mais putain mais cours pas comme ça toi, t'es une folle. Putain mais taré cette meuf. Paper. Note de Derek.
Eric, laisse-nous utiliser son coffre à la librairie. Il faut mettre toutes mes affaires dedans à la fermeture. 3-43-78. Donc c'était bien le coffre qu'on avait vu de l'autre côté. Je me disais, il y a peut-être une utilité de ce dernier. Donc ouais, effectivement, il y a une utilité de ce dernier. Donc, alors par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça nous oblige vraiment à jouer discreto. C'est heureusement qu'il joue sur la sensibilité. Après, hein, comme vous le voyez, le gros point faible de ce passage d'infiltration, c'est l'IA, bien sûr. Bon, là, on voit clairement qu'elle peut pas mourir. Ça, c'est un mauvais point. Mais en même temps, c'est bien parce que ça handicaperait trop après le fait de devoir aussi gérer notre IA. Mais là, voilà, le fait de voir, entre guillemets, votre IA courir devant eux comme ça, sans se faire démasquer, je trouve ça un petit peu facile. À partir du moment où votre personnage lui-même est pas détecté, bon, je trouve ça un petit peu triste. Ça aurait pu enrichir un petit peu plus l'action, je trouve. Mais bon. Donc le coffre fort, il était... non, le coffre, il était par là, je crois. Pardon, merci. Merde, où est-ce qu'il est le coffre déjà? Il est passé devant. Quoi, merde? Putain, fais pas des frayeurs comme ça, toi! Ah oui, il était là. Voilà. Oh! Kit de munitions. Ok, d'accord. Mais maintenant, y a pas un truc à faire ou... Alors, j'espère sincèrement qu'il faut pas shooter le... Vous savez, on a repéré un petit... Ah ouais, c'est là qu'on pourrait escalader. Ah, bien vu, Coco. Ok, allez. Nice. Orange Line State. Pas la récupérer l'échelle maintenant. Rien à récupérer ici, non. Hop, et là. Oh, putain, on a réussi. Non, écris pas victoire. Tout le monde va bien. L'eau est bien faite quand même. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. Oh. Alors honnêtement, hein, c'est... Enfin, moi je pense un petit peu... Un petit peu comme... Enfin voilà, je pense un peu comme lui de ce qui se passerait dans un monde apocalyptique comme ce dernier avec les infections. Il a, moi je dis qu'il a complètement raison parce que c'est pas qu'on est balèze, c'est qu'on a vraiment de la chance de s'en sortir, c'est ça le truc. Car là, si vous... Le but d'une infection... C'est de ne pas être infecté, justement. Donc, même si vous savez maîtriser, c'est pas de la maîtrise, en fait. C'est une chance de s'en être tiré, de ne pas s'être fait infecter dans la sorte. Donc, comme il dit, oui, c'est que de la chance. C'est comme pour tout. Si vous voulez, dans un jeu vidéo, quand vous répétez 15 000 fois la même action, bon, ben, à force, vous avez l'habitude de le faire, car vous avez l'habitude de le voir. Mais vous pouvez avoir autant l'expérience que vous voulez. Un simple moment d'inattention peut faire que vous allez être infecté. Hein. Le Capitole est dans cette direction. Par contre... Oh putain, c'est quoi ce bruit? Alors je sais pas si vous, ça vous fait penser... Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais je sais que Naughty Dog a pas fait Tomb Raider. Mais, oh putain, c'était quoi ça? Mais l'univers graphique et l'aspect me fait énormément penser à Tomb Raider. Et dans un sens, je trouve ça plutôt classe. Dans l'esprit, hein, bien entendu. Comment on va franchir ce camion?
Pour ouvrir une porte, il suffit tout simplement de tourner le boîtier. Alors. Bon, pour le moment, quand même, c'est pas mal. Oh, Omar! Pour le moment, c'est quand même pas mal scripté, je dois l'avouer. Oh putain, je l'avais pas vu, lui. Ah, voilà, vous voyez, c'est en courant ce qui fait ça. Okay. Ah, d'accord, on peut passer par là aussi. Et si j'essaye de l'attraper, lui, ça va pas me... Y a pas d'autre passage, là, de toute manière. Ah, ils sont trois, putain, il y en a un là et un là-bas. Si vous regardez bien. On va essayer de pas se faire repérer. Oh, paire de ciseaux. Peut-être pas trop s'approcher d'eux, à moins qu'il y ait un truc pour escalader. Ce que je doute fort, non, il n'y a rien. Bon alors, il n'y aurait pas... Elle se balade, elle, tranquillement. Bah ouais, moi je vois là, leur faire la courte échelle, quoi. Honnêtement, leur buter la gueule, je vois pas trop le principe aux autres, parce qu'il y a rien dedans, donc... C'est ça le truc. Alors attendez. On va retourner où j'étais, là, où j'avais trouvé ce petit passage, là. Ici, il doit bien y avoir un truc. On peut pas sauter, là. Ou se laisser tomber, ou non. Rien, donc, par là. Mais non, on peut pas passer là, parce qu'il y a ça. Ouais. Ah ouais, si, c'est... Alors, c'était bien ça que j'avais vu. Bah ouais, mais ça, ça sert à rien. Ah, il y a une planche, là. Peut-être que la planche, on peut la récupérer. On peut pas. On peut pas récupérer la planche. Donc soit il y a un truc à récupérer pour escalader, parce que je vois que ça honnêtement. Parce qu'il me reste 3 balles et j'ai pas spécialement envie de me savater les humains. Parce que là il y a rien là. À récupérer non plus. Oh, des munitions. Alors on va faire ça intelligemment alors. Non, on a dit intelligemment. Déjà on va recharger. Voilà. Alors leur revolver, honnêtement, je suis pas fan. Pas celui-là, mais l'autre qu'on avait chopé dans l'épisode précédent. Je suis pas spécialement fan parce qu'en même temps, ça... Putain, j'espère que... Non, ça va aller. Tac. Bon, alors. Toi, t'es où? T'es là? Alors, je vais voir si... Ah, si, c'était bien ça, donc... Ouais, donc on nous oblige un petit peu, ok. Oh, ouais! J'adhère complètement! Okay. Mais...
méchant, méchant, méchant. J'ai été arrêté récemment. Ces soldats viennent de se transformer. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages. On se tire. C'est parti. Hey, il déplace quand même les objets relativement facilement, le mec. Hein. Allez, j'espère que c'est là qu'il faut l'emmener, parce que sinon ça serait inutile de mettre ça super loin. Ok. Yeah. Oh. Grimpez là-dessus. Allez-y les gens. Ça pue la merde quand même. Sur des grandes lignes droites comme ça là. Genre je peux pas monter. Je peux pas en récupérer une déjà que j'ai. Ah non d'accord. Oh, une lettre. Lettre. Merde, j'ai pas vu la lettre à qui elle appartenait. CBI. C'est quoi ça? Brochure de sécurité. Le centre de contrôle de maladie a publié cette brochure sur l'infection cérébrale par Cordyceps, ICC, afin de faciliter sa détection et sa prévention. L'historique. Le Cordyceps est un champignon parasite capable de prendre le contrôle de l'esprit de son hôte et d'altérer le comportement de ce dernier. Jusqu'alors, il n'affectait que les insectes et quelques anthropodes. Cependant, une nouvelle variété capable d'affecter des cibles humaines est apparue. Oui, parce qu'il faut savoir que ce... Je l'avais déjà dit récemment et ça avait été dit dans certaines vidéos de démonstration de ce jeu avant qu'il sorte en fait. Il s'avère que cette maladie, cette infection existe réellement dans la vie et qui n'est affectée pour le moment que sur les fourmis en fait. Et voilà, c'est un cas qui a été révélé à dire que cette infection existe bien et bel et bien sur des fourmis. Et ils ont voulu montrer ce que ça donnait sur les humains, en fait. Donc voilà, quoi, ce petit point culture, on va dire. Cependant, une nouvelle variété capable d'affecter des cibles humaines est apparue. Transmission. Il existe deux façons de contracter l'ICC. Respirer les spores produites par les cordyceps, logique, et entrer en contact avec les fluides d'une personne affectée, notamment par morsure. Doublement logique. Incubation. Après l'infection, il faut un ou deux jours au parasite pour atteindre le cerveau de son hôte. L'incubation s'achève lorsque le cordyceps prend le contrôle de la plupart des fonctions motrices de l'hôte. Phase 1. Symptômes. Les sujets en phase 1 font preuve d'un comportement imprévisible et violent, se ruant sur quiconque les approche. À terme, le champignon traverse les tissus de l'hôte afin de libérer les spores dans l'air. Traitement. Il n'existe aucun vaccin ni aucun traitement pour ralentir l'incubation. Diagnostic. L'ICC peut être détecté par un examen sanguin ou microscopique, généralement intra-auriculaire, quelques minutes après la contraction. Donc, si vous voulez, c'est par l'oreille, quoi. Comme si vous avez 37 de fièvre, bah, c'est la même chose. Quelques minutes après la contraction. D'accord. Putain, déjà, quelques minutes après la contraction, ça veut dire que l'infection, quand même, se propage extrêmement vite. Hein. En même temps, s'il faut simplement deux jours, imagine pas le comportement soudain... Le changement de comportement soudain. Joël, par ici. Non mais ça va, il y a déjà le truc en surbrillance qui nous dit où aller. J'ai bien le droit de visiter, bordel. De toute façon, il n'y a rien. Voilà. Attention. Les phases de QTE les plus utiles du monde. Quoi? J'entends que dalle. On accélère. Oh merde. Ils arrivent. Je sais. Ok, ouais, ok. Putain. T'as un truc sur ta chaussure? On va couper par là. Dégueu. Et genre, après la fille a dit qu'elle s'est pissée dessus. Hein. Moi, c'est ça qui me fait bon, un petit... Oh. Comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. Vous voyez, c'est ce genre de phrase que j'aime pas. Marlène pense que t'es immunisée. Ouais, ça, c'est ce qu'elle croit. On peut mordre une
dans un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. Ouais. J'avais fait le mur. J'étais dans un pensionnat militaire. T'avais fait le mur ? Ouais, pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. Cet endroit est interdit. Comment t'y es entrée ? Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Je vois. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre ? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit, elle va s'en sortir. Ça pue tout ça. Alors. C'est un plan de la carte. Wow! C'est quoi tout ça? Étui à armes. Il faut 75 pièces pour faire un étui à armes. Étui à pistolet, étui une deuxième arme plus longue. Hein? Vitesse de recul. Franchement, le revolver, je l'aime pas. Le pistolet 9 mm, je trouve que la crosse est un peu trop longue par rapport au canon. Ça devrait être l'inverse, normalement. Je crois que le 9 mm a un canon un peu plus grand. Avec un embout qui ressort, si je me trompe pas, puisque les 9 mm sont consacrés justement pour les silencieux. Vitesse de canon, 10-20, bon, on va faire déjà ça. Ah non. Il me reste 43. Mais 75 quand même pour un étui. Je comprends. Étui pour un deuxième pistolet. D'accord, on vous permet de recharger plus vite. Vitesse de rechargement, cadence, capacité de chargeur. Vu qu'on est en difficile, je préfère mettre soit une vitesse de rechargement. Remarque, je vais mettre vitesse de rechargement. Mais, bah, je peux pas. Ah, il me faut une pince en plus. Oh là là. Ah ouais, le truc bien bourre quoi en fait. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'as trouvé toi? T'as rien trouvé du tout. Sortir par là, ok. Alors par contre, je sais... ah ouais, ça par contre pour le crafting c'est bien. Bien, tac tac tac. Maintenez pour créer. Par contre, on peut pas créer une lame ou des liens chiffon alcool. Ah ok, d'accord. Lien, ça c'est quoi? 20. Rayon de mode écoute. Augmenter le rayon de mode écoute. Temps de réaction au maître du surin. Ok. Donc normalement j'avais, vu que c'est le DLC que j'ai, enfin le DLC c'est, pas le DLC pardon, le coffret le petit coffret collector de The Last of Us que j'ai. Normalement ils disent que, ouais dans les bonus je pense, débloquer, apparence, normalement j'ai des apparences. C'est oh, y a tout ça. Parce que normalement, galerie est gratuit. Choix du mode de rendu. Noir et blanc, iconique, Far West. Je ne sais pas ce que c'est, statistique. Parce que normalement, pour le jeu offline, en fait, ils disent qu'on a des... je pouvais débloquer des trucs. Donc écoutez, ça c'est pas fait, donc je verrai par la suite au pire. Voilà. Oups. Là, il n'y a rien. Oh, un vieil ordinateur. Oh, c'est une caméra, ça. Ah non, c'est... Oh, c'est le reflet. Bien, ouais. C'est pas un surin, ça? Ah non. J'avais cru voir un surin.
Ok. Ok, ok, ok. Il n'y a rien. Et celui-là, il emmène où? Je sais pas. Oh putain. Je sais pas pourquoi ça pue. Comment on fait déjà pour intervertir? Ah, et voilà. Oh, un vase. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que le jeu a pas... Alors là, si on est logique, c'est de là d'où on vient, voilà. Désolé, quittez-moi. Tess. Désolé. Allez, reste avec moi. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi elle a sorti désolé, elle? Ah, j'avais pas vu que c'est une cloche, ça. Y'a rien par là. C'est quoi ce bruit? Ah, si. Putain, je suis dans la merde. Oh putain, je suis dans la merde.